Bonsoir à tous, bienvenue sur Gaia Méditation pour une nouvelle émission. Et ce soir, une émission joyeuse, une émission merveilleuse, une émission pétillante, une émission avec un couple magique, féerique. Véritablement, vous les avez déjà vus sur Gaia Méditation et moi je suis heureux de les retrouver ce soir. Nous allons les accueillir tout de suite, Loan Miège et Fabrice Pierredon. Bonjour. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir. Et bonjour, bonsoir. Évidemment, ça dépend quand vous regardez cette émission et puis aussi peut-être à l'endroit où vous vous situez dans le monde. D'ailleurs, dites-nous dans le chat un petit peu où vous vous situez. Ça fait toujours plaisir de savoir d'où vous nous regardez. Voilà, en attendant les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure, on va vous saluer au fur et à mesure. Alors, salut Angel Adam, Cédric Douane, Wahiba Oussadi. Je pense que, voilà, peut-être Fabrice et Loan, vous pouvez voir aussi dans le chat. Oui, salut, tout à fait. Aurélie, ouais. Karine Gaillard, Marie-Claire Lardinois. Oui. Salut, salut. Bon, bah écoutez, c'est super cool en tout cas de... que vous soyez aussi nombreux ce soir. Un live vraiment joyeux, comme je le disais tout à l'heure. Je dis ça parce qu'évidemment, c'est les esprits de la nature ce soir. Et oui, qui dit esprit de la nature, dit la joie, dit les couleurs, l'amour, l'harmonie. Je ne sais pas si on les voit, mais on vous a... Voilà, on a fait une petite team là derrière nous. Waouh. Je vois Elfie. Oui, oui, tu l'as reconnu. Ouais. Oui, wouh. Notre ami d'Islande. Non, non, pas Bruno. Non, Bruno n'est pas d'Islande, il est alsacien. Quand même. Quand même. Après les autres. Donc ils sont, enfin là déjà il y en a une partie de la bande qui se loge dans des petites, comment on pourrait appeler ça ? Oui, c'est pas vraiment des poupées en fait, hein, mais c'est un peu l'idée en feutrine. Et puis il y a tous ceux qui sont en tout cas invisibles à nos yeux et qui sont aussi avec nous ce soir. Et je disais que oui, j'étais en train de saluer tout le monde. Hein. Bonsoir la Belgique, Constantina, Tamara, les Pyrénées orientales, Philippe Tapin de Nantes, Dan des Yvelines, salut. Nathalie de Lorraine, incroyable. Madagascar, Marseille, il y a tout le monde. Et les esprits de la nature, ils nous regardent aussi. Peut-être ils peuvent nous mettre un petit message dans le chat. C'est sympa. Un message, s'il vous plaît, les esprits de la nature, un petit lutin, un elfe, je ne sais pas. Et les extraterrestres aussi, ils nous regardent, hein, comme je dis à chaque fois. Hein. Ils sont là aussi, on vous salue les extraterrestres. Un petit message dans le chat aussi, ça fait toujours plaisir. Pour être surpris d'ailleurs. Ouais. Alors, Loan, Fabrice, on vous présente même si on vous ne présente plus, puisque quand même. Vous êtes déjà venu sur Gaïa Méditation pour une autre émission, c'était la sortie du livre de Loan. C'était il y a un an, quelque chose comme ça. Ou deux ans. Pratique de guérison énergétique. Entre-temps, il y a eu un autre livre, c'était sur la médiumnité, des outils, voilà. D'ailleurs, un super livre, comme tous tes livres. On peut les afficher peut-être à l'écran. Comment apprivoiser et développer sa médiumnité. Donc, tout un tas d'outils et de ressources. Donc, comme je disais, moi, je recommande évidemment tout livre de Loan. Évidemment, tout est super structuré, hyper clair. Et vraiment, c'est des outils pratiques, c'est pas juste dans le vent, je dirais. C'est vraiment... pas de la théorie, c'est du concret pour aider tout le monde. Et du débutant au confirmé, on peut dire. Exact. Oui. Et puis, on les voit derrière toi, mais on les voit aussi à l'écran. En tout cas, ton livre phare, À la rencontre des esprits de la nature. Ça aussi, un superbe livre illustré. À chaque fois, toutes les illustrations, d'ailleurs, c'est par toi, hein, Loan. Hein. C'est toi-même qui fais les peintures. Donc voilà, du début à la fin, c'est du Loan Miège, c'est propre, c'est clair, c'est précis, c'est pratique, donc je recommande. Et puis on peut voir aussi derrière toi, par contre on ne l'a pas à l'écran, c'est le conte, c'est un conte. Oui, Le Monde Enchanté des Esprits de la Nature, c'est un conte avec un CD de 3 heures. Mm-hmm. Et, Si, il est là le CD. Voilà. Et c'est un conte, en fait, c'est l'histoire de Mélodie, qui est une princesse dans un royaume, qui s'ennuie un petit peu d'ailleurs, il faut le dire, et qui heureusement a un chien qui s'appelle Mousqueton, qui lui sert d'ami, et un grand ami d'ailleurs, puisqu'il la suit partout, et Mélodie, à un moment donné, évidemment, trouve son prince et se marie. Et la nuit de noces, se passe, et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'est plus là. Bah, le prince, Gaspard, a disparu. Non, mais là, c'est la tragédie. Mais comment se fait-il? Tout était beau, tout était magnifique, le mariage formidable. Et puis là, pouf, le prince disparaît. Et Mélodie va partir chercher son prince. Et d'ailleurs, une gentille dame va lui dire que son prince a été enlevé par les fées, ses coquines. Il va falloir que Mélodie traverse différentes épreuves, qu'elle rencontre lutins, nains, etc. pour progressivement trouver l'harmonie en elle et passer le voile magique qui l'amènera au royaume des fées. Et là, évidemment, elle va découvrir que peut-être son prince n'est pas celui qu'elle croyait. Ah, wow. Génial, hyper intriguant. Le teaser de Loan. C'est pour les enfants. En fait, c'est pour les enfants et pour les plus grands. C'est un conte qui peut être lu à différents niveaux. Et j'ai vraiment souhaité tout mettre dedans. C'est-à-dire que c'est aussi un conte pratique avec des sortes d'exercices que les enfants peuvent mettre en œuvre, seuls ou avec les parents, bien entendu. Pour leur faire toucher ce merveilleux, ces énergies qui nous entourent, et puis aussi toucher cet espace à l'intérieur d'eux où rien ne bouge, cet espace où tout est paisible quoi qu'il arrive. Et ça me semblait vraiment très important que les enfants puissent toucher cette présence pour garder cet axe plus tard dans leur vie. Ouais. En tout cas, merci en tout cas pour tous ces partages. Et merci à vous deux pour tout ce que vous partagez au quotidien. Je dirais le couple magique, comme je disais tout à l'heure, tous les deux médiums thérapeutes. Ouais. Vraiment, vous avez une évolution en parallèle. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission précédente. Pour ceux qui le souhaitent, vous retapez Loan Miège, Fabrice sur Gaïa Méditation, vous pourrez la revoir. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas trouvés par hasard. Vous avez une évolution un petit peu en parallèle. Tous les deux, vous avez connu l'éveil à l'âge de 27 ans, oui. Oui, de 27 ans, je me rappelle. Toi, Loan, c'était en Birmanie, voilà. Et puis Fabrice, c'était lors d'une méditation Vipassana. Et puis du jour au lendemain, on va dire que votre vie, elle a changé. Vous avez consacré un peu plus de temps à cette spiritualité, même si vous viviez évidemment depuis tout petit, déjà connecté au monde de l'invisible. Mais là, ça a été véritablement un grand tournant. Et pour en venir aux esprits de la nature, Loan en particulier, toi, c'était en 2008. C'est ça, Loan. Tu faisais un soin énergétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, tu as senti une présence. Alors, exactement. J'étais tranquille à faire mon soin, comme d'habitude, quand soudain, une présence s'est manifestée. Et cette présence était coquine. C'est-à-dire que à chaque fois, à la fin de la consultation, que j'essayais de contacter cette présence pour lui demander « mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là ?» etc. Pouf, elle disparaissait. Et ça a duré comme ça un certain temps. Donc, je sentais cette présence qui m'observait, qui m'espionnait même, mais impossible de pouvoir aller plus loin parce que cette présence coquine disparaissait. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, cette présence est devenue de plus en plus familière. Elle s'est laissée caresser, chouchouter même, parce que c'est un nain. C'est un nain, et un nain qui aime bien les câlins, un peu comme un chat. Il adore qu'on lui caresse le dos. Mais pour autant, il ne me disait pas pourquoi il était là. Il était toujours très cordial à me regarder, à prendre des notes aussi, mais ça n'allait pas plus loin. Et lorsque j'ai écrit donc, le premier livre, « À la rencontre des esprits de la nature », j'ai fait des interviews. Dans ce livre, il y a 42 interviews d'esprits de la nature. Là, j'ai vraiment procédé comme une journaliste avec appareil photo, enregistreur, et j'avais ma liste de questions pour chaque esprit de la nature. Et c'était incroyable parce que j'avais pas beaucoup d'efforts à faire pour les trouver, puisque les esprits de la nature faisaient la queue leu-leu et attendaient chacun leur tour pour faire une interview. Ah ouais. Et bien, c'est cette présence qui s'appelle Nicolas qui m'a dit « Mais non, maintenant, c'est mon tour, hein, c'est à moi, hein, c'est bon, maintenant, tu as vu les autres, hein, il est temps maintenant que tu t'intéresses à moi. » Donc, j'ai été très consciencieuse, toujours comme une bonne journaliste. J'ai dressé ma table, installé des petits gâteaux, chocolat, tout le nécessaire qui fait plaisir aux nains. Et là, il a regardé, il a dit « Oh, tu crois vraiment que j'en suis encore à là, moi ? » Depuis, j'ai évolué, je préfère le son des bols chantants, les sons cristallins. Toutes ces petites choses ne m'intéressent plus maintenant. Donc, d'accord, bon, ok, ça commence, c'est déjà bien. Et puis donc, je lui ai posé la fameuse question quand même que j'attendais de poser depuis si longtemps. Mais qu'est-ce que tu viens faire là après toutes ces années? Quelle est ta motivation? Et là, il m'a montré des images de nains. Des nains qui étaient tristes, dépressifs, malades, des nains pas vraiment en bonne santé. Et il m'a fait comprendre en fait que son peuple était en souffrance à cause des activités humaines et que ne trouvant pas de réponse dans son monde, il est venu dans le nôtre, dans le monde des humains, pour en chercher. Et donc, il apprenait en fait les soins énergétiques à mes côtés de manière plus ou moins discrète, donc en prenant des notes, dans l'espoir de pouvoir aider les siens. Mmh. Voilà. Et pour aller jusqu'au bout de l'histoire de Nicolas, parce que c'est vrai qu'il est, bon, il est extraordinaire, il est toujours là. Maintenant, il s'est installé avec toute sa communauté sur notre terrain. Donc, ils font partie de notre vie au quotidien. Et évidemment, donc j'ai pris des photos de tous les esprits de la nature que j'ai interviewés. Elles sont là, les photos, hein. C'est authentique, hein. On peut les sentir, il y a leur présence, ça vibre, ça rayonne, etc. Et puis bon, j'avais un peu zappé Nicolas parce qu'il est tellement près de moi que bah, je l'ai oublié, quoi. C'était comme une évidence. Et un jour, il a débarqué un matin à 9h, il a dit « Maintenant, c'est mon tour, je veux ma photo. » Bon, ok, d'accord. « Rendez-vous 17h, je t'attends au niveau du vélo. » Bon, très bien. En effet, à 17h, je descends sur le vélo, sur le porte-bagages. Nicolas trônait et il attendait le top départ. Et donc, on est parti comme ça, à vélo, sur des chemins. Et j'avais dans l'idée de faire une belle photo avec un coucher de soleil, enfin quelque chose vraiment qui le mette en valeur. Et franchement, c'était moche. C'était moche, il y avait des champs de maïs, enfin voilà, de monoculture, le ciel était couvert, tout gris, des nuages. Enfin, c'était vraiment pas heureux pour faire une belle photo de Nicolas. Et puis à un moment donné, il me dit « Maintenant, tu t'arrêtes, stop, c'est là. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu vas faire là ? » Enfin, franchement, il y a ce chemin, ce machin, enfin, c'était moche, quoi. Il me dit « Non, non, tu restes là. » Et là, je le vois, il pose et il ne bouge plus. Et puis là, sorti de nulle part, un signe arrive. Il y avait une sorte de petit canal comme ça. Et je vois un signe qui nage tranquillement vers nous. Arrivé à notre niveau, le signe sort de l'eau. Il se met à côté de Nicolas. Et pile à ce moment-là, les nuages s'ouvrent. Un rayon de soleil, pouf, arrive et fait la lumière. J'ai le temps de faire un seul cliché. C'est tout. Waouh. Les nuages se remettent en place, le signe fait demi-tour et disparaît. Énorme. Ah ouais, Nicolas, il rigole pas, quoi. Non. Ah oui, il rigole pas du tout. Lui, il s'est dit, non, les gars, là, attendez, on va attendre quelques instants. Je vais ramener le signe, tranquille. Je vais faire en sorte que le ciel s'ouvre. Il a des petits gènes de Moïse, vite fait, comme ça. Il ouvre l'océan. Waouh, énorme. Ah bah, et donc. Bah, en tout cas, c'était une rencontre qui a changé ta vie et il est toujours avec toi. Et je pense que c'est ce message qui t'a délivré ce jour-là de cette rencontre, c'est un message hyper important et c'est aussi pourquoi je pense que ce soir, voilà, on parle aussi des esprits de la nature parce que il y a un message et une importance à parler des esprits de la nature. voilà, qu'il y ait un peu plus de conscience de la vie en général. C'est ça, et on se rend bien compte, bah, par cette expérience, notamment avec Nicolas, qu'ils sont bien plus que ce que l'on imagine. C'est vrai que souvent, quand on pense esprit de la nature, on a en référence les contes, les légendes de notre enfance, mais ça ne va pas plus loin. Ça reste un peu des êtres mystérieux qui vivent loin de nous et qui n'ont pas vraiment de manifestation dans la matière. Et là, Nicolas m'a très clairement montré que ces esprits de la nature, non seulement sont présents, ils sont avec nous, mais en plus, ils ont une action sur la matière. Quand on est capable de communiquer avec des animaux et de faire la météo, c'est quand même pas rien. Ouais. Et d'ailleurs, donc, ces esprits de la nature, ils sont avec nous un peu partout, mais où est-ce qu'on peut les trouver finalement? Est-ce qu'il faut aller dans une forêt? Est-ce que, voilà, où est-ce qu'ils sont globalement, les esprits de la nature? Alors, ils sont en soi partout, puisqu'il y en a dans le ciel. Donc, à partir du moment où il y a le ciel au-dessus de nos têtes, il y a des sylphes, ils sont présents. Maintenant, c'est vrai que pour avoir une diversité d'esprits de la nature, il est préférable d'aller dans des lieux sauvages, alors que ce soit des forêts, des déserts, à la mer. En fait, qu'importe le paysage, ce qui est important, c'est que ce soit préservé, que l'homme n'ait pas eu cette envie de tout contrôler et d'imposer ses activités. C'est vraiment là que tout se joue, en fait. C'est sur ce côté sauvage. Ce qui paraît un peu normal, finalement, c'est un petit peu comme les animaux ou les plantes. Si on veut avoir une forme de variété, il faut que ça reste le fruit de mère nature. Mmh. Et ils ont tous, du coup, une spécificité quelque part. Par exemple, il y en a qui sont un peu plus proches de la terre, comme tu l'as dit, il y en a dans les airs, les sylphes, dans l'eau, le feu aussi. Et... voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des caractéristiques diverses de certains d'entre eux, peut-être présenter ou... Oui, alors c'est vrai que nous, les humains, nous aimons bien tout classifier. C'est notre façon de faire, ouais. L'intellect. Donc, on a décidé de tout classifier en fonction des éléments. Donc, on a bien entendu l'élémentaire, paf, où on va voir les gnomes, les lutins, les nains, les gardiens, etc. L'élément eau avec les ondins, les ondines, mélusines, sirènes, palalap. Le feu, plutôt les salamandres. C'est vrai qu'en feu, on n'a pas grand-chose en termes de mots, en fait, hein, pour les nommer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire simplement que notre vocabulaire n'est pas adapté. Donc, on a plus des salamandres, des phénix. On bug un peu sur les mots. Et pareil, au niveau du ciel, de l'air, on aura... je crois que l'air, on peut avoir aussi des elfes, des fées, des sylphes. Il y a différents niveaux de l'air, hein, plus ou moins haut dans le ciel. Donc, ça, c'est notre façon d'aborder les choses. Maintenant, on peut aussi voir les esprits de la nature par niveau de proximité. Il y a des esprits de la nature qui vivent vraiment parmi nous. Comme les gardiens, alors les gardiens de nos maisons, de nos appartements. On peut avoir aussi tous les êtres qui font partie du jardin, les elfes et les fées des fleurs, des légumes, les faunes aussi, hein, qui sont des gestionnaires, hein, du jardin. On peut avoir les familiers qui participent aux activités de la maison, alors de moins en moins parce que les traditions ont évolué, si on peut dire, à travers le temps. Mais il fut en tout cas un moment où les familiers étaient consciemment dans l'organisation de la maison. Par exemple, on disait que les chloricones participaient à l'élaboration du whisky. Donc voilà, ils avaient... Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'alcool, bien entendu. Il y en a d'autres qui étaient spécialisés dans la garde des enfants, dans le bien-être des animaux et aussi dans le ménage. Il y en a qui sont les familiers qui sont spécialisés dans le ménage. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire le ménage à notre place. C'est bien pratique. Les gars. Mais par contre, tout d'un coup, quand ils sont là, nous allons avoir une sorte de pulsion, une envie frénétique de faire le ménage, de prendre un chiffon et de tout astiquer. Ah oui. Et voilà, donner cette impulsion pour garder la maison propre. Voilà, donc il y a tous ces êtres qui font partie de la maison. Donc ça, c'est un niveau de proximité qui est très très proche. Après, les niveaux de proximité qui sont déjà un peu plus lointains, comme tous ces êtres qui vivent dans la forêt, mais qui restent quand même au contact avec les êtres humains. Les lutins, par exemple, adorent venir nous rencontrer, s'amuser avec nous, nous faire des tours, des farces. On part aussi quelques fées, quelques... Enfin voilà, c'est assez large finalement. Il y a aussi les ondins, les ondines, etc. Et puis après, on part à un niveau de proximité beaucoup plus lointain, qui sont tous ces esprits de la nature qui vivent sur une dimension plutôt parallèle. Et là, on parle, alors là, vous allez voir, le vocabulaire est vraiment très, très limité, puisqu'on peut parler, par exemple, de fées en leur royaume, ou d'elfes en leur royaume, de dragons, de licornes, et même, pourquoi pas, de Merlin. Donc là, ce sont des êtres qui sont un petit peu comme un navire. On pourrait voir le royaume avec deux zones, on va dire une zone qui est vraiment sur une dimension parallèle, qui ressemble un petit peu à un navire, qui aurait lancé son ancre sur terre, sur un lieu qui lui permet de garder cet ancrage, parce qu'il y a une résonance vibratoire, et en même temps une certaine forme de manifestation, donc avec une zone plutôt, manifestée sur le plan terrestre, qui fait un peu office de sas, pour vraiment avoir une action sur le plan terrestre. Et le problème, en fait, de ces zones-là, c'est que si, par exemple, dans une forêt, l'énergie change pour différentes raisons, hein, ça peut être tout simplement parce qu'à un moment donné, on a rasé une partie de la forêt, parce que l'endroit est devenu très touristique, ou voilà, une décharge, ou je ne sais trop quoi, eh bien, l'énergie donc de ce lieu, de cette zone, en tout cas, va changer, et l'encre ne pourra plus continuer à être fixée dans cette zone et va donc décrocher. Ce qui fait que le royaume, avec cette dimension parallèle, va devoir trouver une autre zone si elle veut continuer à avoir un contact avec le plan terrestre. Donc là, vraiment, on est sur des plans de proximité beaucoup plus lointains. Mais c'est intéressant aussi de voir cela comme ça. Oui. Oui, je pense que c'est important de parler de tous ces différents niveaux de proximité, de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. D'ailleurs, en Islande, ils ont vraiment une grande conscience d'ailleurs de tous les esprits de la nature. Et j'avais vu qu'à un moment donné, ils avaient dû même décaler. Ils avaient l'intention de construire une route à un endroit. Ils ont interrogé à travers des médiums les elfes, on va dire, la communauté des elfes, et ils ont décalé la route. Je crois que vous avez entendu parler peut-être de cette histoire aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ça a fait à un moment donné la une des journaux. C'était assez incroyable. Et en effet, en Islande, il y a plus de 70% qui croient aux esprits de la nature. C'est une tradition qui est très ancrée chez les Islandais, avec beaucoup de respect. Et les Islandais préfèrent donc contacter un médium pour faire la communication avec les esprits de la nature et trouver des solutions ensemble plutôt que de forcer. Parce qu'ils savent très bien, en fait, que s'ils forcent, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, des intempéries terribles, les moteurs des bulldozers vont exploser. Enfin, ça va être un tel bazar qu'il est préférable de négocier. Donc, ça veut dire aussi que, ça c'est intéressant, que le fait de porter de l'attention à un phénomène ou à des présences, d'apporter de la considération aussi, du respect, de nourrir ce lien, permet à ces êtres, ici les esprits de la nature, à se manifester plus facilement sur le plan terrestre. C'est-à-dire que chez nous, par exemple en France, on se rend bien compte que les esprits de la nature ont beaucoup plus de mal à se manifester sur le plan terrestre par rapport à l'Islande. Je pense que c'est dû à ce niveau de croyance, cette différence de niveau de croyance. Et plus il y aura de monde qui sera intéressé aux esprits de la nature, qui communiquera avec eux, qui tissera des liens solides avec eux, plus finalement ces esprits de la nature ici en France auront la possibilité d'entrer dans la densité et de se manifester dans la matière. Ouais, oui. Ouais, c'est très puissant. Merci en tout cas de ce message. Je pense que c'est important de parler de ça, hein, puisque pour moi, évidemment, tout existe de façon potentielle. Et quelque part, notre croyance va créer ou renforcer ou manifester certaines choses dans notre propre réalité. D'ailleurs, je pense à l'île de ma mère, Bali. Bali, évidemment, il y a des cérémonies tous les jours. La spiritualité, elle est très forte. Donc forcément, ils entretiennent aussi quelque chose. Donc, on ne peut pas rester indifférent au monde de l'invisible. Et je pense que voilà, simplement de savoir que les esprits de la nature existent, qu'il y en a partout, comme tu l'as dit, même à l'intérieur des maisons, dans notre jardin, il y a les gardiens, etc. eh bien, de savoir qu'ils sont là, on peut finalement créer même un partenariat avec eux et permettre d'ailleurs... si on a envie de faire des soins énergétiques, d'ailleurs, tu en parles dans ta formation. D'ailleurs, on parlera aussi de la formation pour toutes les personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, hein, et véritablement une formation en or. On en parlera un peu plus après. Encore comme tous les livres, l'oracle d'ailleurs qu'on voit derrière, on en parlera aussi un peu plus. Une formation vraiment au top. Donc oui, véritablement, je pense que c'est important d'avoir conscience de tout ça. Et... Fabrice, toi-même, les esprits de la nature. Oui, les esprits de la nature. Quelle est ton expérience avec les esprits de la nature? Est-ce que tu as été plus en contact depuis que tu connais Loan? Elle t'a peut-être ouvert certains chemins vis-à-vis de... Alors, les esprits de la nature, je pourrais dire, c'était pas un domaine auquel j'avais porté mon attention. C'était plus, on va dire, quelque chose qui était rangé dans le conte et légende, ou quelque chose qui était plus le temps d'avant, mais qui pouvait se manifester, tu sais, comme on pourrait dire, à une époque ça existait, mais aujourd'hui ça a un peu changé, on pourrait dire ça comme ça, même si par moment il peut y avoir des éléments qui font penser ou qui... ce rappel à nous qui fait dire « Ah tiens, il y a quelque chose qui se manifeste quand même ». Et effectivement, depuis que nous sommes ensemble, les esprits de la nature, au début on commençait à faire des petites blagues, c'est-à-dire ils te font perdre un truc, tu cherches quelque chose, puis soudainement, ce que tu cherchais pendant 2 heures, en fait il est là, posé. Et en fait, même si tu avais déjà regardé à cet endroit-là pendant 1 heure, hein, ce qui veut dire qu'ils viennent se manifester. Ils disent, ok, tu doutes, d'accord, tu peux continuer de douter, mais on va jouer. Jusqu'à temps que tu arrêtes de douter. C'est ça qui est intéressant aussi avec eux. C'est que tu rentres en relation et en interaction. Oui. Et ensuite, y a eu un contact et il y a eu aussi, pendant des soins, notamment, justement, un esprit qui venait, aider, ou qui venait juste regarder, ou qui venait avec moi et qui observait. Ça, c'était quand, par exemple, à l'époque, j'allais à Paris faire des séances, par exemple, et il y avait un esprit qui venait, il venait dans la salle. Mmh. Il venait s'amuser. Donc voilà, leur présence, en fait, se manifeste de plus en plus. Mmh. Maintenant qu'on habite ici, on est dans la montagne avec un grand jardin, on va dire ça comme ça, une grande montagne. Ce qui veut dire qu'ils sont là, au quotidien, comme on est beaucoup dans le jardin, donc ils viennent nous accompagner. Il y a des endroits où il faut aller faire quelque chose, donc on peut y aller. Ça se manifeste de différentes manières. Après, le monde des licornes, ça par contre, ça c'est fabuleux. Ouais, dis-nous en plus. Il aurait cru. En fait, par exemple, c'est intéressant pour les personnes, je pense. Je ne vois pas comme Loan. C'est-à-dire que j'ai pas le visuel activé de la même manière. Donc ça peut être un visuel ressenti ou en tout cas quelque chose qui va être plus de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire que par exemple un royaume de fées ou un royaume de licorne, c'est une énergie qui va se manifester d'une certaine manière, donc avec un ressenti particulier. Et donc ça, c'est important de se rendre compte qu'on est déjà, en fait, c'est-à-dire que ce monde-là existe déjà depuis bien longtemps, finalement, quand on en prend conscience. Il a toujours été là, mais sauf que, comme tu disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui était inconscient. Jusqu'au moment donné où on met un mot dessus, et on dit, mais ça, ce que tu perçois comme type d'énergie, en fait, c'est les esprits de la nature. Oui. Tu vois? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, mais en fait, tiens, c'est un monde que je connais déjà d'une certaine manière. Sauf que je n'avais pas, la signature vibratoire, je la connais déjà, sauf que je n'avais pas mis de mots dessus. C'était pas reconnu. Oui, c'était pas reconnu. Et une fois que ça se reconnaît de plus en plus, en fait, cette manifestation amplifie. Ouais. Je vois totalement ce que tu veux dire. Encore une fois, l'importance d'avoir connaissance et d'avoir conscience que ces esprits de la nature sont partout. C'est au-delà de la croyance. Ah oui, c'est au-delà de la croyance. Par exemple, tout à l'heure, tu disais une croyance fait que les choses se manifestent, mais il y a des choses qui se manifestent, même au-delà de la croyance. Oui, bien sûr. C'est ça l'idée, en fait. Mais la croyance va renforcer et permettre à la manifestation d'être plus tangible, plus dans la matière. Mais d'ailleurs, en parlant de croyance, les esprits de la nature, on parle de... On peut parler de lutin, on peut parler de lin, on peut parler d'elfe, mais ils se manifestent, vous l'avez dit, c'est une vibration. Donc, quelque part, ils vont se présenter, enfin, se manifester d'une certaine façon à nous, sous une certaine forme, par rapport, finalement, à nos croyances, à notre culture, à nos traditions. Oui, en fait, à la base, si on regarde d'un point de vue... comment dire, direct, c'est-à-dire sans y mettre aucune projection. C'est une masse vibratoire avec un volume plus ou moins important et une signature vibratoire, donc une fréquence, une émanation, un rayonnement. Voilà, ça s'arrête là, enfin, d'un point de vue direct. Oui. Ensuite, les esprits de la nature sont très malins. Ils ont compris que les humains... On a une drôle de façon de se comporter et lorsqu'ils sont face à l'inconnu, ils ont généralement trois réactions typiques. Alors ces trois réactions sont soit fuir, soit attaquer, soit être complètement figé de sidération. Donc avec ça, on va pas aller très loin et pour la communication, c'est raté. C'est zéro. Donc, ils se sont dit, nous allons nous adapter, nous allons passer de l'inconnu au connu. Et pour cela, nous allons prendre des références, nous allons puiser dans le référentiel de chaque personne pour prendre une image qui correspond justement à ses croyances, à ce qui pour elle est acceptable. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tout d'un coup avec des esprits de la nature qui ont une tête, un tronc, deux bras et deux jambes. Et parfois, d'ailleurs, en sortie, donc en stage, on peut avoir deux personnes qui voient le même esprit de la nature, la même masse vibratoire différemment. Donc on peut avoir une personne qui dit « Ah, moi je vois un chapeau rouge ». Et l'autre dit « Ah mais non, pas du tout !» Il a une petite écharpe jaune « Ah mais non, voilà !» Et ça peut durer longtemps comme ça, on n'est pas d'accord. Et en fait, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, simplement, à chaque fois, l'esprit de la nature donc, a puisé dans chaque référentiel pour présenter une image qui correspond à ce que la personne connaît. Alors, ça peut être une image de l'enfance, tirée justement des contes et légendes que la personne a lues. Comme ça peut être par rapport au folklore, en fait, aux traditions locales. Donc, c'est intéressant, en fait, de voir comment chaque esprit de la nature s'adapte pour communiquer, en tout cas pour faciliter la communication avec nous. Parce que pour eux, c'est vraiment très important de tisser à nouveau des liens avec les humains. Tu as l'inconscient collectif, tu peux avoir l'aspect conscient, c'est-à-dire les lectures de quand tu es enfant, et après tu as aussi l'inconscient collectif d'un peuple, par exemple, en fonction de sa place géographique sur la planète. Aussi, oui. C'est qu'un même esprit de la nature peut avoir aussi un aspect très différent suivant si il est perçu en France ou au Japon, à Bali, en Amérique du Sud ou je ne sais trop où. Et pourtant, c'est la même masse vibratoire, c'est la même signature. Eh oui. Tout est énergie, fréquence et vibration. Et je pense que si on étend, on pourrait faire comment dire, la même constatation avec bon, des êtres qui pourraient venir. D'ailleurs, on pourrait considérer les extraterrestres. C'est pareil, ils vont se présenter d'une certaine façon par rapport à notre, notre constitution, à notre... Fabrice, il n'est pas forcément d'accord. Par expérience, les extraterrestres font beaucoup moins d'efforts pour passer de l'inconnu au connu. Donc, c'est-à-dire que là, ça peut être, tu peux avoir des masses vibratoires, mais tu peux aussi avoir des personnes très physiques. Et là, elles se présentent telles qu'elles sont physiquement. Donc, vu que c'est quelque chose qui est complètement étranger à notre espèce, ça peut effectivement surprendre. Tu es en présence de quelque chose de vivant qui n'a rien de semblable, en fait, avec ton espèce. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, même un gros chien, un gros lion, bah... Il y a quelque chose de semblable. Il y a du sang, tu vois, il y a une espèce de... C'est un animal. C'est un animal. Donc déjà, ça, c'est plus... Même si tu as peur, tu vois, c'est déjà plus facile. Imagine quelque chose qui n'a rien à voir. C'est au-delà même de nos pensées ou de quoi que ce soit. Donc c'est encore un peu différent. Oui, et puis généralement, en fait, ce qui se passe avec les extraterrestres, c'est que comme ils ne vivent pas sur le plan terrestre, ils sont extraterrestres. Oui. Ils faire des étoiles, on peut dire. Ils n'ont jamais vraiment interagi avec les êtres humains, avec les humains. Donc, ils n'ont jamais vraiment non plus puisé dans le référentiel humain pour se faire représenter ou reconnaître. Donc, ils sont un peu bruts de décoffrage. Après, ils ont des techniques. Hein. Voilà, après, il y a des techniques qui sont utilisées pour chanter, en fait, les paramètres humains. Aussi, oui. Et les défunts eux-mêmes, justement, si on étend là aussi. Les défunts, ils peuvent se présenter de façon différente à deux personnes. Oui, aussi. Oui, suivant la mémoire, en fait, hein, l'image qu'on avait de la personne, notamment, pour pouvoir la reconnaître. Toujours, l'objectif, c'est se faire reconnaître. Et si on a parlé d'extraterrestres, et si on parle des intraterrestres? Oui. Ah oui, oui. Alors les intraterrestres, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que quel est leur lien finalement avec les esprits de la nature? Voilà. Quel est votre qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les intraterrestres globalement? D'un point de vue global, on pourrait dire que nous sommes tous des esprits de la nature. Puisque nous faisons tous partie de la nature, que nous soyons sur Terre, à l'intérieur de la Terre, au-dessus de la Terre, un petit peu en flottaison, et plus ou moins densifiés dans un corps qu'on pourrait être physique. Mais bon, même le mot physique, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Oui. Quand on sait qu'on est fait, enfin la matière telle qu'on la connaît en tout cas, est faite de 99,9% de vide et donc d'informations. C'est quoi la matière? C'est 0,00001%, c'est rien du tout en fait, c'est très relatif. Donc c'est qu'une question de densification et nous sommes tous des êtres de la nature où que nous soyons dans, sur et au-dessus de la Terre. Donc les intraterrestres pour moi font aussi quelque part partie des êtres de la nature, c'est que j'aurais pu aussi les interviewer. Je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu tout à fait être le cas. Et ce sont des êtres par contre qui sont très... comment dire, méfiants. Ils sont très méfiants par rapport aux humains, je pense avec de bonnes raisons d'ailleurs, et préfèrent être très discrets et donc ce côté intra-terre, hein, et donc se planquer aussi dans des mondes un peu isolés où ils ne vont pas être pollués par les activités terrestres. Enfin, humaines en fait, hein, surtout. Ouais. Et si on il y a des endroits, en fait, hein, il y a des endroits sur Terre, il y en a en France aussi, hein, où il y a des portes qui permettent de contacter les intraterrestres. Ouais. Mmh. Et si on étend un peu plus loin, la conscience de la Terre, Gaïa. C'est aussi un esprit de la nature. D'ailleurs, je l'interviewais. Gaïa. Et oui, c'est important de... Ouais, à tous les niveaux, il y a un esprit, il y a de la vie, il y a une conscience. Et oui, c'est important de prendre en compte tout ça, évidemment, pour vivre en harmonie. Et finalement, quelque part, bénéficier de leurs énergies dans notre vie quotidienne, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même pour les soins énergétiques, pour la vie, vous l'avez même dit qu'il y avait des esprits qui pouvaient aider pour les tâches quotidiennes. D'ailleurs, vous, je pense que vous en avez plein chez vous, non? Oui. Il y en a beaucoup. Vous habitez chez eux, en fait. Oui, en fait, c'est plutôt ça. En fait, nous faisons un peu office d'intrus, nous vivons, et c'est à nous de faire profil bas pour nous faire accepter. Au point de vue du monde sauvage, j'aime pas ce terme, mais... Oui, mais on peut dire ça. Hein, la nature, en fait, tout simplement. Avec les animaux. Que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, ici, c'est très, très présent. Et nous, nous sommes juste deux petits cocos, là, au milieu de la montagne. Clairement minorité. Attention, les esprits de la nature sont tout autour, ils guettent. Hein. Là, il faut... Pour la petite histoire, je pense que c'est intéressant aussi dans le côté manifestation. Et lorsque nous avons trouvé ce lieu, en fait, c'est Fabrice qui l'a trouvé sur Internet. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est là. Le problème, c'est qu'on n'avait absolument pas le profil pour pouvoir l'acheter. Pas du tout. C'était un peu raté. Et d'ailleurs, beaucoup de banquiers, de conseillers... C'était complexe, on va dire. Tous nous ont dissuadé, nous ont dit, mais vous n'aurez aucune chance avec un tel dossier, c'est pas la peine. Et pour nous, c'était pourtant évident, c'était là et pas ailleurs. Et c'était OK. Et donc là, j'ai parlé à Nicolas, toujours Nicolas, et je lui ai dit, écoute, si ce lieu te plaît, tu pourras permettre à ta communauté de venir s'installer ici, puisqu'ici, on est vraiment loin de l'activité humaine, ça l'a totalement préservé. Et ce sera peut-être voilà, une chance pour toi et ta communauté de venir t'installer. Si c'est OK pour toi et si c'est OK, bien entendu, pour les esprits déjà présents. Voilà, donc que tout soit en harmonie. Et là, il a dit « OK, d'accord, on va voir, je vais demander à ma communauté. » Bon, OK. Et puis, on avait aussi cette idée en tête parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits de la nature qui sont en errance parce que les lieux sauvages se font de plus en plus rares, ne serait-ce avec ces antennes de téléphonie qui poussent de partout et qui créent énormément de dégâts dans le monde subtil. Et nous avons donc émis cette intention que si nous avons la possibilité d'avoir ce lieu, eh bien, nous l'ouvrirons toujours en accord avec les esprits déjà présents pour que tous ces esprits qui sont en errance et qui cherchent un lieu et qui ont envie de venir s'installer chez nous puissent le faire. Donc, en fait, un lieu réserve pour les esprits de la nature. Donc, nous avons posé tout ça. Et en fait, pour la petite histoire, nous avons fait un stage esprit de la nature. C'est vrai que ça s'est vraiment passé avec eux, hein. Et je crois que c'était la veille ou le lendemain de ce stage esprit de la nature. Nous avions rendez-vous en fait avec une banque, et contre toute attente, bon, on a parlé pendant 2 heures. On comprenait pas pourquoi on nous gardait 2 heures, c'était hyper long. Et contre toute attente, à la fin du rendez-vous, cette dame très très gentille, d'ailleurs merci beaucoup, nous a dit c'est bon. Et là, on a regardé. Vous êtes sûr? Oui, oui, c'est bon. Et on dit, mais vous avez regardé quand même notre dossier financier? Ah oui, oui, c'est bon. Elle a dit, on s'arrangera s'il y a des problèmes sur le risque. Quoi qu'il arrive, soyez tranquille, c'est bon. Et en effet, c'était bon. On n'y croyait pas. Pour le coup, on était vraiment stupéfaits. Et c'est à croire que les esprits de la nature ont mis aussi les choses en place. Ouais. C'est fait aider, entre autres par eux, mais oui. Ouais, voilà, vraiment aidé. Ils voulaient leur maison, ils l'ont eu. Là, pour le coup, c'est concret aussi. C'est pas, voilà, c'est concret. Et bien entendu, bah, c'était la promesse aussi, hein. Oui. Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons contacté tous les esprits de la nature déjà présents. Et puis, nous avons ouvert cette porte pour que les esprits de la nature en errance puissent venir s'installer. Wow. Après, il y a des zones sur le terrain où il ne faut pas aller. Non. Par exemple, si je veux faire du débroussaillage ou des choses comme ça, il y a des endroits, c'est non. C'est non. C'est pas pour les humains, c'est pour les esprits de la nature, mais pas pour les humains. Alors, c'est pas très très grand, mais il y a des zones sur 50 mètres qui ne touchent pas. Chacun son territoire. Et c'est ça aussi qui fait que c'est possible de vivre ensemble parce qu'on se respecte mutuellement. Mmh. Mais du coup, je pense à toutes les personnes, et il commence à faire de plus en plus beau, c'est le printemps, on va sortir, on va aller en forêt, mais du coup, je pense que la plupart des gens, ils rentrent dans la forêt, et puis justement, ils vont peut-être dans des endroits où ils devraient peut-être pas aller, Comment faire finalement pour rentrer en interaction avec les esprits de la nature? Bon, moi, j'ai déjà fait un stage avec Loan en 2017, hein. Formidable stage, je tiens à signaler, Brocéliande. C'était au top. D'ailleurs, vous en organisez un, on en parlera aussi un peu plus à la fin, le 24-25 juin, il me semble. Ouais. Ouais, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, donc on en parlera un petit peu après. Et au passage, restez bien avec nous, hein, les amis, puisqu'il y aura une méditation qui sera proposée aussi par Loan. Donc, au top. Donc voilà, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur, finalement, quand on arrive dans une forêt, si on veut communiquer avec eux, si on veut rentrer en contact, comment faut faire? Voilà. La première chose, c'est être très clair par rapport à ses intentions, parce que les esprits de la nature lisent en nous comme dans des livres ouverts, on ne peut rien leur cacher. Donc, si nous allons les rencontrer pour avoir du fun, ou parce qu'on s'ennuie, ou parce que voilà, c'est une distraction, je ne sais trop quoi, bon... Ils vont le savoir tout de suite, hein, c'est pas la peine d'essayer de le cacher. Donc voilà, faire déjà ce petit cheminement intérieur pour observer notre intention. Et si en effet l'intention n'est pas très bien calée, bah, la recadrer tout simplement, hein. puisque je dirais que l'intention juste, s'il y en a une, il y en a multiples évidemment, c'est quand même le partage et tisser des liens d'amitié. Voilà. Donc, c'est la première chose à faire. Ensuite, on peut créer un petit sac d'offrande. Alors, par exemple, ici, vous avez vu, je ne sais pas, j'ai me poussé un peu, voilà. Ah oui. Un sac à dos d'offrande. C'est ça. Ça un peut, petit sac, hein, ça peut être des petits cristaux, hein, des pierres, ils adorent ça. En fait, tout objet ayant un rayonnement, une vibration positive, joyeuse, agréable, parfois même thérapeutique. Je pense notamment à des élixirs floraux ou à à des huiles essentielles. Et puis bien entendu, pour les lutins, on n'oublie pas les petites papillotes où ce sont des pâtes de fruits, des chocolats, des bonbons naturels, des... Très thérapeutiques. Des petits gâteaux. Spécial lutin, même les fées parfois elles aiment bien ça. Les fées généralement préfèrent tout ce qui brille, donc plutôt les pierres, les cristaux, les petits bijoux. Mais par contre, les fées, faut faire gaffe parce que c'est comme les pies. Elles adorent chipper. Et donc on sait ce qu'on amène, mais on ne sait pas ce qu'on ramène à la maison. Mais globalement, si on ne sait pas quel esprit de la nature on va rencontrer et que par exemple on a rien amené avec nous. On peut quelque part, on peut prendre une pierre par exemple. Oui, alors de toute façon, ce qui est le plus important, c'est notre intention et c'est, j'ai envie de dire, la sincérité de notre cœur. Donc, même si nous n'avons pas d'objet avec nous, nous pouvons soit créer un cadeau avec notre tête et avec notre pensée, donc projeter ce cadeau devant l'esprit de la nature ou à l'entrée de la forêt, par exemple, pour montrer qu'on vient de bonne foi, avec des petits présents. Vous savez, c'est comme quand on va chez des amis, on vient avec un gâteau, une bonne bouteille, etc. C'est le même principe, hein. On ne vient pas les mains vides, on vient en bonne amie, donc avec un petit cadeau. Donc voilà, donc ça peut être aussi quelque chose créé complètement ou simplement rayonner une énergie d'amour, de joie, ça fonctionne aussi très bien. Il y a beaucoup de... Déjà, rien que le simple fait d'avoir de la considération, c'est important. Oui. Déjà, rien que ça, c'est un cadeau. Quand tu arrives quelque part et que tu as l'intention de rentrer dans un espace sacré, déjà de considérer les êtres et les aides qui sont déjà présentes sur ce lieu de manière subtile, déjà, ça, c'est énorme. C'est-à-dire que tu ne rentres pas en simple touriste dans une forêt. Déjà, ça, c'est un cadeau, déjà. Ouais. D'avoir cette intention et cette attention. D'ailleurs, il y a même des portes, quelque part, pour avoir conscience de ça. C'est-à-dire que oui, on peut en effet entrer, comme tu disais, en tourisme, mais dans ce cas-là, nous allons avoir une visite touriste. Alors, c'est vrai que c'est magnifique, il y a toujours, c'est agréable, un beau paysage, mais ça restera juste un beau paysage. Si nous voulons aller plus loin et donc aller toucher le subtil, le sacré, il va falloir demander l'autorisation d'entrer parce qu'on ne peut pas... comme ça, toucher du subtil. C'est un petit peu comme si une personne venait vers vous et tout d'un coup, vous parliez de votre intériorité, de ce qui vous touche profondément. Ben, vous ne livrez pas ces éléments-là comme ça à n'importe qui. Vous allez d'abord avoir besoin d'être en confiance avec cette personne. Ben là, c'est la même chose. Donc, ça veut dire, je respecte, je vais chercher les portes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire pendant la méditation. C'est ce que j'ai prévu de faire pour que vous ayez le mot de temps. Génial. Et puis, je demande l'autorisation d'entrée. Et en fonction donc de mon état intérieur, eh bien, il y a des autorisations qui vont m'être données. Alors, ça veut dire aussi que ces autorisations peuvent changer. On peut refaire la même promenade au même endroit et avoir de nouvelles autorisations cette fois-ci. Ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, c'est un émerveillement, c'est du neuf. C'est magique. Mais voilà, cette demande d'autorisation, elle est présente au début de la promenade, mais elle va pouvoir aussi se retrouver lorsque nous avons un royaume en face de nous. Parce qu'un royaume, c'est une zone qui vibratoirement est différente du reste de la forêt. On ne peut pas y entrer comme ça. Il y a aussi un sas énergétique à passer, c'est-à-dire que notre être doit s'adapter à cette différence vibratoire pour pouvoir y aller, ne pas être une perturbation à l'intérieur. Voilà, donc il y a quand même quelques étapes à passer pour être toujours en respect et que l'harmonie puisse être respectée. Et rentrer finalement dans leur royaume, le monde est subtil, et rentrer en interaction, voire en communication. Oui, alors, et bien entendu, aussi, il faut que je rajoute, parce que là, ils sont là, donc ils me tirent l'oreille, ils me disent, mais t'as oublié quelque chose. Ah, mais ça, pas du tout. Oui, j'ai oublié. Une fois que nous avons fait une rencontre, toujours remercier. Merci, ouais. Toujours remercier. Alors, ça peut être un remerciement, évidemment, je vous remercie, hein, exprimé verbalement, mais encore mieux, c'est un sentiment de gratitude que l'on va émettre à partir du cœur. Mmh. Eh oui, la gratitude, hyper important. L'idée, juste 2 secondes, Stéphane, c'est... En fait, c'est... On vient pas uniquement pour recevoir quelque chose. Pour prendre quelque chose. Pour prendre quelque chose. On va aussi donner quelque chose de nous. C'est un partage. Voilà, c'est un partage. Ça, c'est important. Oui, je pense que c'est un grand message d'ailleurs ce soir. Hein. Ce partage... On n'est pas juste nous, les êtres humains, à écraser tout sur notre passage. Oui, on va vouloir prendre des pillés, tu vois, voilà. C'est servir ce genre. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et les esprits de la nature sont bel et bien là, partout. D'ailleurs, on a parlé d'esprits de la nature, mais il y a des esprits dans la forêt, aussi dans les plantes et dans les arbres. Oui. Exactement. Les végétaux qui nous entourent sont habités par des esprits, et nous avons prévu une petite pratique à faire tous ensemble. Donc, j'espère que vous avez prévu de plantes. Ah oui, une plante, les amis. On va faire une petite pratique là dans quelques instants. Donc, si vous avez une plante à proximité ou si votre plante est dans votre jardin, vous pouvez aller la chercher. Voilà, vous la délogez. Et puis Loan va nous présenter le petit exercice un petit peu pour pouvoir finalement entrer en interaction avec cette plante. L'esprit d'une plante, ça tout le monde peut le faire, c'est facile. Quasiment tout le monde a une plante à la maison. C'est devenu très très commun. Vous pouvez d'ailleurs demander quelle plante a envie de participer à l'exercice, puis vous allez peut-être être attiré par une plante en particulier dans votre salon. Ah, moi j'ai une plante en plastique. Oh, l'esprit Ikea. Du coup on peut peut-être faire ce petit exercice maintenant. Alors allons-y, nous c'est ce petit cactus qui s'est manifesté pour faire l'exercice ce soir tous ensemble. Voilà. On le voit bien à l'écran là. On le voit très bien. Voilà. Donc c'est, vous voyez, toutes les plantes sont... Enfin, c'est une plante. C'est ça. C'est une plante. Alors, si vous avez des baguettes, youpi, danseur, c'est rigolo le danseur, ou un pendule, vous pouvez les utiliser, évidemment. Si vous n'en avez pas, vous pouvez... utilisez simplement votre outil naturel qui est vos mains. Ça marche très bien aussi. L'idée, en fait, à chaque fois que nous allons contacter un phénomène vibratoire, nous allons d'abord poser ce qu'on appelle la convention mentale, c'est-à-dire notre intention. Parce que des énergies, évidemment, il y en a partout autour de nous. Nous allons forcément, à un moment donné, capter quelque chose, mais pas ce que nous souhaitons réellement contacter. Nous pouvons tâtonner dans le vide pendant très longtemps comme ça. Donc, convention mentale. Ici, ça va être « je cherche l'esprit de telle plante ». Donc là, ça va être « je cherche l'esprit de ce cactus ». Vous voyez, c'est très clair, c'est très simple. Le vocabulaire est plus c'est simple et mieux c'est en fait. « Je cherche l'esprit de ce cactus ». Pour cela, donc je vais utiliser d'abord les baguettes parce que je trouve qu'à l'écran, c'est très visuel en fait. Ce sera peut-être plus clair pour tout le monde de commencer comme ça. Donc, j'ai en tête, je cherche l'esprit du cactus. Et puis j'avance, je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc mes baguettes sont en position neutre. Et à un moment donné, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Hop! Les baguettes se croisent. Et donc, elles se croisent parce qu'elles sont arrivées au niveau de la paroi vibratoire de l'esprit du cactus. Je peux faire la même chose avec, par exemple, un tenseur. Dans ce cas-là, ma main libre sert de capteur. Et toujours avec ma convention mentale, je cherche l'esprit de ce cactus. Vous voyez, j'ai un changement de mouvement qui me montre bien que je suis arrivée au bon endroit. Et pour ceux qui sont habitués au pendule, je fais toutes les démonstrations pour que ce soit bien clair pour tout le monde. La main qui n'a pas le pendule, hop, sert de capteur. Le pendule, lui, va changer de mouvement lorsque j'aurai touché mon but. Je cherche l'esprit de ce cactus. Vous voyez, hop, j'espère qu'on le voit. Oui, on le voit. Comme c'est du cristal, c'est un petit peu transparent, mais on le voit quand même. Ok, donc vous voyez bien. Et si je m'éloigne, hop, le mouvement s'arrête. Je ramène, hop, le mouvement reprend. Donc c'est formidable. Ces outils nous permettent d'avoir une manifestation dans la matière d'une vibration qui prend finalement son essence à l'intérieur de nous. Hein, vous voyez, c'est... La vibration, en fait, elle est à l'intérieur, c'est-à-dire que nous savons, nous, profondément, que c'est là et que c'est pas ailleurs, mais comme nous n'avons pas été éduqués, habitués à considérer toutes ces sensations subtiles, eh bien, nous avons besoin que cette vibration passe à travers nous, notre épaule, notre bras, notre main, pour aller se manifester à travers un outil. Et c'est toujours par nous que ça commence. C'est pour ça qu'ensuite, je peux utiliser simplement mes mains et toujours avec ma convention mentale, je rapproche mes mains jusqu'à sentir un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose est différent pour chacun d'entre nous. Pour certains, ce sera par exemple des picotements, du chaud, du froid, un courant d'air, une densité, une résistance. Ça peut être quoi? Un engourdissement aussi au niveau des doigts ou simplement la certitude que c'est là et pas ailleurs. Donc ici, j'ai bien la paroi vibratoire de l'esprit de la pente. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, derrière votre écran. J'espère que vous avez réussi à capter cette paroi vibratoire puisqu'à partir de celle-ci, elles vont pouvoir communiquer avec la plante. Vous allez pouvoir poser une question dont la réponse est soit oui, soit non. Et observez comment vos mains vont réagir. Par exemple, ici, je vais pouvoir poser la question toute simple. Cactus, est-ce que tu as soif? Et là, mes mains se rapprochent. Donc, je sens que le volume, en fait, de la masse vibratoire de l'esprit du cactus diminue. La réponse est négative. Hein. C'est comme quelqu'un qui se recroqueville sur lui-même. Une autre question. Donc, je reviens à une position neutre. Cactus, as-tu besoin de soleil? Mes mains sont poussées vers l'extérieur, le volume de la masse vibratoire de l'esprit cactus grandit et donc comme quelqu'un qui tout d'un coup se sent bien, s'ouvre, est beaucoup plus à l'aise, donc c'est un grand oui. Et à partir de là, vous pouvez vous entraîner à communiquer avec les esprits de la nature. Vous pouvez le faire de manière très ludique à la maison. Même 2-3 minutes, le faire en couple, entre amis, en famille, ça peut être vraiment très très sympa. Ou, au début, moi je m'amusais, par exemple, je faisais cuire du riz, j'en avais pour 10 minutes de cuisson, et ben hop, pendant ces 10 minutes, j'allais voir ma plante et je communiquais avec elle, je lui posais plein de questions. Et vous allez voir, plus ça va rentrer dans votre vie, plus ça deviendra naturel et évident. Et donc au fur et à mesure, simplement, ce mouvement oui-non va s'enrichir. Il va s'enrichir de sensations, d'émotions, de ressentis, peut-être d'images, de mots, jusqu'à finalement pouvoir communiquer avec la plante, comme on communiquerait avec un ami bien incarné. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Après, lorsque vous vous sentez à l'aise, que c'est très sympa à faire, c'est de demander à l'esprit de la plante de sortir de son écrin végétal. Et là, c'est souvent la surprise. Parce que dans notre tête, on se dit « petite plante, petit esprit ». Eh ben non. Ça marche pas comme ça. Il y a des... C'est vrai, hein, il y a des petites orchidées qui ont des esprits immenses et au contraire des baobabs qui ont des petites fées clochettes. Donc, c'est toujours intéressant de voir la réalité d'une manifestation en dehors de ce qui est apparent, de ce qui est ce que l'œil voit, en fait. Voilà, dans la matière. Donc, par exemple, ici, je vais demander à l'esprit du cactus de bien vouloir, s'il est d'accord, oui, il est d'accord, sortir de son écrin végétal pour venir se positionner devant nous. Alors, il faut toujours un petit peu de temps, c'est normal. Pour lui, c'est un effort quand même. Et quand il fait ce pas de côté, d'ailleurs, on peut sentir en soi peut-être des vibrations, des frissons. Voilà, c'est quelque chose est en train de bouger dans la pièce. Voilà, ça y est. Et là, il se trouve devant nous, ici. Et peut-être que vous, derrière votre écran... Je le ressens. Voilà, vous le ressentez. Ouais, je le ressens. Je le ressens, dans mes pieds en particulier. Et là, on voit bien le cactus, il est tout petit dans son pot, mais son esprit est immense. Ouais. Et puis, chaque esprit a sa personnalité, sa signature vibratoire. On peut aussi... s'amuser à qualifier de l'énergie parce que nous n'avons pas été éduqués à cela. Nous pouvons nous demander est-ce que cette énergie est légère, dense, lourde, fluide, etc., etc. Ou est-ce qu'elle me touche à l'intérieur? Est-ce qu'elle me touche plutôt au niveau de la tête, du cœur, du ventre? Qu'est-ce qui se passe quand je suis au contact avec cet esprit du cactus? Et peut-être que vous le ressentez aussi derrière votre écran. Plus nous donnons de la considération à cet esprit, plus il grandit. Plus sa manifestation devient palpable. Et puis quand nous sommes avec des esprits, comme ici, bien peut-être que vous le ressentez aussi. À un moment donné, il y a une sorte de bascule. Nous sommes au-delà du temps et de l'espace. C'est comme une sorte d'apesanteur où tous nos repères s'effacent. Alors ces esprits ont bien entendu beaucoup de choses à nous communiquer, que ce soit par leur présence, déjà dans un premier temps, et puis aussi peut-être des enseignements, des conseils, notamment toutes ces plantes qui font partie de la maison, peuvent nous aider à créer une véritable harmonie dans nos intérieurs. L'idée, c'est aussi de créer du lien avec chacune de ces plantes. Et vous verrez, à des moments, quand il y a une plante qui a besoin d'aide, elle va vous appeler. Ça peut être dans la maison ou si vous avez un jardin aussi. Vous verrez, à un moment donné, par exemple, dans le jardin, il y a des plantes, des arbres parfois qui appellent pour être arrosés. Ceux qui ont été plantés il y a 2-3 ans. Un matin, on se réveille et puis hop, ah mince, faut y aller. Et quand on y va, quand j'y vais, en tout cas, je m'aperçois, ah oui, effectivement, il a besoin d'aide. Une fois que le lien est tissé, il est tissé. Ouais. Une réalité. Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas... On est sur Gaïa Méditation, vous inquiétez pas. On est là, ah, un cactus. Et puis une fois que vous avez fait cette rencontre, parce que là c'est une véritable rencontre, quand l'esprit est sorti de son écrin végétal, il est à nu devant vous. Bien entendu, vous pouvez le remercier. Donc, merci pour cet échange. La première chose. Et puis, l'inviter à regagner le cactus qui a bien besoin de lui. Notamment dans nos appartements, dans nos maisons, puisque les plantes sont en pot et donc ne sont pas connectées les unes aux autres par leurs racines, par le mycélium qui entoure les racines. Et donc, en fait, cet esprit va compenser ce manque de connexion à la terre en créant d'autres connexions sur le plan subtil, plus aérien, et va comme ça contacter d'autres spécimens de la même espèce pour avoir par exemple le plan de croissance. Ces esprits sont très importants pour la santé de la plante. Ah oui, c'est vrai que c'est important ça de prendre conscience qu'ils sont tous en fait interconnectés, hein. Comme nous-mêmes d'ailleurs. Faut pas l'oublier les amis, on est tous interconnectés. Ah, en tout cas, une belle rencontre avec ce cactus. Je pense que vous, dans le chat aussi, vous avez apprécié. Ouais, j'ai senti une belle énergie douce, une énergie un peu yin. Véritablement, c'était tout doux. Alors, une forme de sagesse aussi. Moi, j'ai senti aussi cette interconnexion avec, justement, même la famille des autres cactus, et pas que. Mais j'ai vu tout un tas d'images. Les plantes et les arbres sont intelligents, bien entendu. Alors, j'ai senti Sylvain qui nous dit « J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, cela signifie quoi ?» C'est une manière de valider le fait qu'il y a un ressenti. En tout cas, comme ça, c'est comme ça que ça vient là pour Sylvain. Et il y avait quelqu'un qui a tout à l'heure parlé de ça. Évidemment, c'est une question que tout le monde se pose, j'imagine. Les minéraux, les rochers, les pierres. Oui. Alors, il y a des pierres qui ont un seul esprit. Oh, j'arrive. Ouais. On a un peu de temps, hein, ça va? Oui, on a le temps. Bye bye, Loan. Ah, elle a été kidnappée par un esprit de la nature. C'est justement une pierre. Un cristal. Ah, non, mais c'est... Ouais. C'est super. Alors, vous allez voir, celui-là, il est... Voilà, Ouf. Voilà. Waouh. Un beau cristal, là. Ouais. Déjà, la présence, j'irais presque celui-ci. Ah oui. Ah ouais. Là, c'est... Alors, chez les cristaux, et les pierres, plus ou moins grandes, d'ailleurs, on peut différencier... alors, plus simplement, il y a des pierres dans lesquelles il y a un seul esprit. Donc, voilà, une pierre par esprit et c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, mais voilà. Après, il y a des roches qui accueillent des communautés. Par exemple, ici, nous sommes en montagne, nous avons un grand flanc rocheux. Et dans ce flanc rocheux, il y a comme des villages d'esprits de la nature. Et puis, il y en a d'autres, et c'est le cas par exemple ici de ce cristal, qui font office de porte multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'au niveau du cristal en lui-même, vous avez un gardien qui pourrait être apparenté à l'esprit du cristal, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a cette porte qui permet... de passer à travers le cristal et de toucher d'autres dimensions ailleurs. Ouais. T'as dit que c'était Gaïa. On y va, hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Oui. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait peut-être entrer en contact? Oui, alors avec ce cristal, justement, quand on a des cristaux comme ça, ce qui est intéressant, c'est que sa présence, c'est aussi le rayonnement de cette dimension parallèle ou cosmique, enfin, suivant on peut la caler quelque part. Donc, il y a cette espèce de rayon qui descend sur Terre et à travers le cristal qui est projeté sur diffusé, Terre, qui est diffusé. Donc, on peut faire en effet un petit exercice. Ouais. Ok, ouais. Faisons cet exercice. Ah, moi, je suis prêt, hein. Je mets ma ceinture peut-être, on va décoller, on ne sait pas. Alors, allons-y. Alors, évidemment, là, je pourrais encore prendre des baguettes, bidules, machin. Maintenant, vous êtes habitués, donc on va aller directement au cœur du sujet. Lorsque vous avez un cristal à la maison, vous pouvez quand même approcher les mains pour sentir son rayonnement et sa paroi vibratoire. C'est aussi une façon pour nous de valider qu'il y a plus qu'un simple objet devant nous. Parfois, on a besoin aussi de conscientiser un rayonnement. Une fois que nous sommes ici, donc nous avons un contact. Et le contact, au niveau des paumes de la main, mais aussi de l'ensemble de notre corps, va nous permettre, un peu comme un sachet thé dans une tasse, si vous voulez, nous sommes un peu la tasse pour le coup, et le cristal, le sachet de thé. Le cristal va pouvoir diffuser son énergie à l'intérieur de nous. Ça, c'est une première chose. Voilà, donc une fois que nous sommes là, puisqu'il est en demande et qu'il me montre que c'est OK, parce que toujours dans le respect, on demande l'autorisation, etc. Eh bien, je vais inviter le gardien de ce cristal à venir se présenter devant nous. En fait, c'est lui qui est volontaire. Hein. Bon. Voilà. Là, en termes de taille, je suis un peu enquiquinée parce qu'il est immense. Donc, j'essaie de mettre mes mains comme ceci, mais déjà, elles sont repoussées à l'arrière tellement il est grand. Donc, j'imagine que vous, à travers l'écran, vous pouvez le sentir, puisque là, pour le coup, il est vraiment immense et multidimensionnel. Oui. Ouais. C'est une énergie vraiment différente par rapport au cactus. Et par rapport à ma plante en plastique aussi. La plante en plastique, c'est une énergie différente. Mais une fois que nous sommes connectés au gardien, donc là, nous restons toujours au contact. Alors, nous pouvons quand même utiliser les mains parce que je trouve que les mains sont une superbe interface, en fait. Voilà. Et là, une fois, pardon, excusez-moi, connecté au gardien, nous allons pouvoir lui exprimer déjà nos intentions, première chose, à partir de la sincérité de notre cœur. Et là, pourquoi pas, parce que je sais pas, j'ai envie d'un truc un peu fou ce soir, lui demander de nous ouvrir la porte du cristal pour nous emmener dans cette dimension. À ce moment-là, il va capter nos intentions, les transmettre à cette dimension en question. Et nous allons pouvoir demander l'autorisation de faire ce voyage. Voilà. Et lorsque nous avons l'autorisation, alors chacun, encore une fois, perçoit à sa façon. Pour certaines personnes, ça va être un grand oui, une porte qui s'ouvre dans la tête, une impression d'expansion, les mains qui s'écartent. Donc, vous voyez, pour chacun d'entre vous, comment ça se manifeste. Il semble d'accord pour nous ouvrir cette porte. Donc, à partir de ce moment-là, il s'agit simplement de se laisser porter et d'observer, voilà, nos ressentis, nos sensations, ce qui se passe pour nous. Si on a des images, tout ce qui se présente. Voilà. Alors ce voyage pourrait durer très longtemps. Encore une fois, quand on est au contact d'esprit, on a une tendance à basculer dans un autre espace-temps, bien différent de celui qui est terrestre. Les heures défilent, le soleil se lève, se couche, on ne le voit même plus. Donc pour l'instant, pour ce soir, nous allons rentrer gentiment par le cristal, faire le chemin du retour, jusqu'à repasser devant le gardien, remercier. Gardez juste la mémoire de cette sensation, de ce que vous avez ressenti. Peut-être aussi ce que vous avez vu, entendu, perçu, les enseignements, enfin, tout ce message, je ne sais trop. Je pense que chacun a un vécu qui est tellement unique. Laissez-vous imprégner. Voilà. Merci. Merci. S'assurer que bien tout le monde soit revenu. Oui, oui. Voilà. Ressentez le contact avec le sol, sous la plante de vos pieds. Voilà, que ce soit bien tangible pour vous. Que le gardien raccompagne bien tout le monde. Nous sommes bien tous en terre. Ouais. Ah, c'était génial. Ah. Ouais, une énergie différente du cactus, évidemment. Je sentis la puissance, l'amplitude, la grandeur. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas senti au début d'énergie, on va dire, yin ou yang. J'ai senti simplement quelque chose de... Bah, il n'y avait pas de spécificité, on va dire. J'ai senti la multidimensionnalité. Après, j'étais transporté avec les... J'ai compris que c'est un cristal qui est là depuis longtemps. Il y a ouais, avec des civilisations anciennes. J'ai vu qu'il amplifie la communication avec justement nous ici et là-haut, les diverses dimensions. Après, j'ai vu, en tout cas, la représentation du gardien qui commence à délivrer des messages. Donc, waouh! On est parti loin! On est sur Gaïa Méditation, les amis, c'est normal. Ah oui, donc ouais, ce cristal, il est particulier, c'est pas n'importe quel cristal là. Non, il est encodé en fait, mais depuis très longtemps. Oui, c'est ça, il a les mémoires, en effet, d'anciennes civilisations. Il est appelé cristal lémurien. Ah bah voilà. Tout de suite, ça m'a amené là. J'ai vu une grande statue qui me faisait penser à ces anciennes civilisations, comme les Moas. Voilà, ça me faisait penser à ce genre de... C'est des Lémuriens, voilà. Bon, bah, comme quoi. Waouh. Ouais. Bravo. Non, mais c'était... Ouais, c'est puissant. Hein. C'est le bruit. Je serais bien resté là, tu vois, avec ce cristal. Le cactus aussi, on t'aime bien. Et puis ma plante en plastique aussi, j'en ai pas, mais bon, je fais comme si elle était là. Je t'aime bien aussi, mais bon, tu sais, c'est différent. On a une histoire d'amour. Le cactus et le cristal, c'est différent, écoute. Waouh, je pense que vous, les amis, vous avez dû apprécier aussi dans le chat. En tout cas, moi, j'ai bien... Oh, on a bien vibré, c'était... Alors, Marie-Claire qui disait « Mes mains étaient pleines, puis une bulle bleue où j'étais bien. » Marie-Claire Lardinois. Voilà. Quoi d'autre? Aurélie Umbrella. J'ai eu des messages que j'avais besoin. J'ai reçu un cadeau. Génial. Voilà, il y en a qui ont... Voilà, magnifique. Alors, Nadine Bousmar, « J'étais dans une forêt enchantée, pleine de fleurs multicolores, avec une grande paix et sérénité. » Saint Michael Archange, « Merci pour cette grâce infinie, gratitude, je suis béni. » Alors Alexandre Georges qui me dit « Je n'ai même pas émis l'intention de me connecter car j'étais occupé, mais vraiment, oui, c'était bien là. Chaleur au niveau du chakra coronal, vous avez dû avoir des sensations fortes. » Ouais. Ce qui est formidable, c'est que les personnes qui voient l'émission en replay vont pouvoir aussi avoir cette expérience. C'est là. C'est là, c'est maintenant. Ah ouais. Eh, le changement, c'est maintenant. Hein. Avec les esprits de la nature, les gars. On rigole pas, là. Bon, franchement, c'était puissant. Eh ben, j'imagine, les amis, derrière votre écran, vous demandez évidemment... je pense que vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez éventuellement envie d'expérimenter. Voilà, peut-être si vous allez aller en forêt prochainement. Évidemment, on a ce qu'il faut, les amis. La formation de Loan, on vous la présente tout de suite. Les esprits de la nature. Alors moi, je peux vous dire que j'ai suivi cette formation. Alors, c'est comme les livres, c'est comme les oracles, c'est tout Loan. C'est du propre, c'est du clair, c'est du structuré, c'est du pratique. Il y a aussi l'intervention de Fabrice dans la formation. On voit que tu fais toutes les pratiques avec Fabrice. Et vous nous emmenez aussi directement en forêt pour mettre en pratique tout tout l'enseignement, en fait, de la préparation. Déjà, il y a la partie théorique. Ensuite, il y a la préparation avant d'aller en forêt. Et puis, il y a carrément le parcours en forêt. Exactement. En fait, il y a tout dans cette formation. Et l'idée, c'était de pouvoir transmettre un maximum de manière à ce que justement ces liens avec les esprits de la nature puissent se faire et que ce soit accessible à toutes les générations. Parce que ce qui est extraordinaire avec les esprits de la nature, c'est que c'est un sujet qui touche toutes les générations, aussi bien les tout petits que les très âgés. Et donc, ça crée aussi des liens entre les générations. C'est un sujet qui permet de se reconnecter, nous aussi, en tant qu'humains, tous ensemble. Par exemple, lorsque l'on fait donc des sorties, nous avons des petits... Qui ont 3-4 ans. 3-4 ans, hein, la seule obligation, c'est d'être capable de marcher pendant 3 km. Au moins, oui. Et jusqu'à plus de 80 ans, puisqu'il faut aussi parcourir les 3 km quand on est de l'autre côté, quand on est âgé. Il y en a qui râlent, il y en a qui n'y arrivent pas trop. Mais tout le monde fait exactement les mêmes exercices, quel que soit l'âge. Il n'y a aucune distinction. Et souvent, ce sont les enfants qui deviennent les enseignants des adultes. Et ça aussi, c'est merveilleux. Donc voilà, donc, cette formation, elle est accessible à tout le monde et elle est là pour être partagée. C'est vrai que souvent, quand on achète une formation en ligne, on a l'idée de la faire un peu tout seul, chez soi, voilà, dans un cadre intimiste. Alors que cette formation-là, elle a aussi cet objectif d'être partagée. Partagée en couple, en famille, entre amis. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez même l'acheter à plusieurs, hein, pourquoi pas. Hein. Moi, ça me va très bien parce que le plus important, c'est que vous puissiez, encore une fois, créer ces liens avec les esprits de la nature. C'est fait pour ça. Et elle a été tournée dans un cadre exceptionnel et avec des moyens aussi exceptionnels pour le coup. Oui, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Nous sommes en pleine nature, pour le coup, avec de grands espaces, le monde sauvage. Il y a même les vautours, il y a même filmé avec le drone, c'est incroyable. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que le cadreur, le réalisateur ont fait un super boulot. Alors, je confirme, c'est magnifique à tous les niveaux. Donc, c'est magnifique parce qu'il y a Loan et Fabrice déjà, quand même. Ensuite, il y a la nature, les esprits de la nature, on voit qu'ils sont, voilà, et ils sont présents aussi. On voit qu'ils, peut-être que, hein, ils sont là, ils ont été voir les caméramans, tout ça. Hein, et puis, il y a Exergue aussi qui a mis en ligne cette formation. Les gars, on veut une formation. Parce qu'on veut que les gens puissent communiquer un peu plus avec nous. Et non, franchement, une super formation. Il y a des méditations aussi, soins énergétiques, une démonstration où il y a l'intervention de Nicolas à un moment donné, d'ailleurs. Ah ouais, non, vraiment, c'est du top niveau. Et c'est aussi une méditation qui permet de communiquer avec les esprits de la nature à la maison. C'est-à-dire que où que vous soyez, que vous habitiez en ville, à la campagne, dans un endroit isolé, à la mer, voilà, c'est vraiment ouvert à toutes vos situations. Il y a aussi une partie qui est consacrée au jardin, jardiner avec les esprits de la nature. C'est aussi important. Il y a aussi les soins énergétiques en partenariat avec les esprits de la nature. Créer un partenariat aussi avec un esprit aussi. De la nature. Oui, exactement. Ouais. Trouver notre élémental totem aussi. Aussi, voilà, voilà. Aussi. Il y a tout ça dans cette formation. Oui, ça, il y en a pour 5 heures, hein. C'est très riche. Et puis, les amis, dans quelques instants, on vous parlait de méditation. Loan va nous proposer une méditation, donc restez bien entendu avec nous. Mais on peut parler aussi, évidemment, cette formation, voilà, c'est en ligne, vous pouvez la faire partout dans le monde. Mais si vous souhaitez aller à la rencontre aussi en physique de Loan, Fabrice, et qui vous emmène en promenade à la rencontre des esprits de la nature, c'est possible aussi. Ce sera le 24-25 juin, c'est ça? Oui. Donc ça, je ne sais plus si on l'a affiché. Il me semble... Non, peut-être qu'on ne l'a pas affiché. Bah, c'est sur le... C'est pas grave, vous allez directement sur le site, donc sylfaen.biz. Voilà. Et vous allez avoir toutes les informations sur ce stage week-end qui se passera dans les Gorges du Verdon. Gorges du Verdon, c'est le 04. C'est un petit peu enclavé, mais ça vaut vraiment le détour. C'est ça, ça veut dire qu'à un moment donné, si l'on veut avoir une richesse en esprit de la nature, il faut aller dans des lieux un petit peu isolés, sauvages, où il y a moins d'activité humaine. Ça demande un peu plus d'efforts de transport, mais ça vaut le coup. Oui. Et puis la formation. Du coup, vous pouvez faire aussi la formation en avance, avant, puisque c'est pas du tout incompatible. Vous faites la formation en ligne avant, et après vous pouvez aller en présentiel, parce qu'aussi il y a un nombre de places limitées, peut-être aussi vous êtes plus loin, mais ça permettra aussi de revoir certains peut-être outils, d'avoir un complément, et évidemment d'être sur place et d'appliquer directement tout ce que vous avez appris en voyage avec Loan et Fabrice. Et de partager aussi. Ouais, oui, partager. Et aussi, il faut que je rajoute quand même, très important, les enfants sont les bienvenus. Je rajoute, ça, c'est quand même, voilà. Les enfants, mes parents, les intraterrestres, les extraterrestres, les cristaux. Je me permets aussi, pour les enfants, il n'y a pas de... Enfin, jusqu'à 16 ans, c'est gratuit. C'est gratuit, en fait. Les enfants sont les bienvenus et pour eux, c'est toujours gratuit. Waouh. Bon, je crois que les amis, vous avez entendu. Voilà, si vous voulez venir en famille faire un week-end, c'est sympa. Je ramène toute la famille, les frères, les sœurs, et la caravane. Bon, ben, dans quelques instants, la formation de comment dire, la méditation avec Loan, s'il vous plaît, madame, monsieur. Mais juste avant, peut-être, je pense que... Oui, des questions, mais en même temps, voilà, vous pouvez poser des questions dans le chat, mais en même temps, j'aimerais éventuellement que tu nous montres ton coffret aussi, les oracles de la nature, éventuellement, le présenter juste comme ça pour que les gens puissent voir en fait à quoi ça ressemble. Voilà, hop, un coffret, on ouvre, clac, et là vous avez un livret. Alors le livret, il est joli, il est tout en... Oups. On voit peut-être. Il est en couleur. Il est en couleur. Alors, voilà, là, on voit un petit peu. Donc, voilà, il y a les illustrations sont aussi reprises. Donc, les illustrations des cartes sont reprises et tout est en couleur. Il y a plus de 200 pages au niveau du coffret avec des explications et surtout, ce qui est très important, des pratiques. Parce que ce coffret oracle n'est pas venu comme ça... juste pour dire, ah bah tiens, je vais faire un oracle, pas du tout. En fait, ce sont les esprits de la nature. Après l'écriture du livre, m'ont dit, bon, écoute, un livre, c'est sympa, mais les humains restent trop dans leur tête. Donc, ça va pas du tout. Il faut passer à la pratique. Donc, on va créer un oracle de 45 cartes qui correspondra à 45 pratiques. On va les mettre un petit peu à la tâche, ces humains. Donc voilà, donc ça, les cartes reprennent les esprits de la nature des 42 interviews. On voit un petit peu là, voilà, oui, il y en a partout, voilà, donc des 42 interviews qui sont dans le livre, plus 3. Les 3 sont le néant, la création et la source. La source, merci. Bravo. Et alors, je leur ai demandé pourquoi 45. Allez, on va aller jusqu'au bout de... Parce que les esprits de la nature sont trop drôles. Hein. D'abord, moi, je leur ai dit 45 pratiques, j'ai pas l'imagination pour, donc vous oubliez tout de suite. Ils m'ont dit, t'inquiète, tu écris, c'est tout ce qu'on te demande. Comme les gamins, je gère. Donc, à chaque fois, hop, je prenais la liste d'illustrations correspondante pour me connecter à l'esprit de la nature et je faisais la secrétaire. En effet, ils avaient absolument tout prévu. Et pour le 45, donc je leur ai demandé, mais pourquoi 45 cartes? On aurait pu rester à 42 d'ailleurs. Et on dit 45 parce que c'est un nombre premier. C'est un nombre indivisible, comme nous. On ne peut pas nous séparer. Ah bah oui, forcément. Et 4 et 5 font 9. Et tout le livre, en fait, est codé avec les chiffres 6 et 9. Ils font... En fait, au fur et à mesure, après l'écriture, bien entendu, j'ai découvert que tout était encodé. Mmh. Et ce 9 et ce 6 sont très importants pour eux, parce qu'ils me disent que finalement, ce 9 et ce 6 sont deux faces d'une même pièce. Le 9, c'est la connexion au divin, cette ouverture à cet infini, à ces possibles et à ce sacré surtout. Alors que le 9, eh bien, c'est le foyer, c'est la famille et donc c'est l'amour, c'est l'amour. Et c'est parce qu'il y a l'amour et le sacré, finalement, que la vie est possible. Mmh. Ensuite, ce 45, je vais jusqu'au bout, hein, j'espère que ça... Parce qu'il est tellement extraordinaire ce 45. En fait, il me dit, mais... Voilà, donc c'est resté tel quel. Et puis un jour, donc, je participais à une cérémonie druidique quelque part en Bretagne. Et puis, donc, j'ai parlé de cette histoire de 45 aux druides. Là, il m'a dit, ah bon, 45 ah, c'est étonnant. Bah oui, c'est étonnant. Parce que, en fait, dans la croix celtique, tout est codifié avec le chiffre 9, pour changer. Donc, le premier cercle correspond donc au 9. Et c'est le Gwenved, c'est le paradis blanc, hein, chez les Celtes. Ensuite, il y a le 27, donc c'est le cercle qui est un petit peu plus large, rayon 27, et lui qui correspond au monde manifesté, au monde des humains, à la création, en fait, création mais palpable, concrète. Et puis, il y a le 81, donc le 9 × 9, qui est le Kogant, donc c'est-à-dire c'est le monde des dieux, le monde absolu. Et finalement, ce 45 est vraiment intéressant parce qu'il se situe entre le monde des hommes et le monde des dieux. Exactement comme ces esprits de la nature qui font ce lien entre le monde des hommes et le monde des dieux, entre le monde de la manifestation dans la matière, la nature, et le monde de l'absolu. Voilà, donc c'est pour vous dire, les esprits de la nature sont vraiment pleins de surprises. On n'a pas fini d'en découvrir. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu pourrais montrer comme ça un petit peu les cartes, à quoi elles ressemblent? Alors, parce que, oui, évidemment, ouais, les remontrer. Alors, par exemple, je ne sais pas, celle-ci, vas-y. On va faire à deux. Donc ici, il s'agit du grand elfe blanc. Les grands elfes blancs sont dans des endroits qui ont besoin d'être purifiés. Ils ramènent le sacré lorsqu'il y en a besoin. Ici, ce sont les fées en leur royaume. Là, nous avons encore une dimension parallèle. Même si le nom, c'est fée, le mot fée est utilisé pour beaucoup d'esprits de la nature. Celui-là, je l'ai vu. D'accord, ok. C'est la lavande, plante médicinale, la lavande. Ensuite, ouais, voilà. Chaque dessin permet de se connecter. Oui, parce que pour les dessins, ils sont gentils, mais je leur ai dit, écoutez, là, il va falloir m'aider un petit peu. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont projeté l'image que je devais peindre, donc, je me suis appliquée pour la faire le mieux possible. Et en fait, au fur et à mesure que je la peignais, dans la peinture, ils mêlaient leur énergie, oui, pour que l'image soit vivante. Et puis aussi pour que l'image, par exemple celle-ci aussi, j'aime bien ce dragon, pour que l'image soit aussi comme une porte à travers laquelle l'esprit puisse venir rendre visite à chacun d'entre nous. D'ailleurs, le livre aussi, c'est une porte, il faut être honnête. J'ai eu des lecteurs qui m'ont fait des témoignages assez rigolos suite à l'achat du livre, les esprits de la nature, notamment des lutins, qui sont apparus chez eux, qui leur ont fait quelques farces. Ah, ouais, ouais, ouais. Dans chaque livre, hein, à chaque fois, c'est des portes. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est assez magique, en fait, de voir qu'en effet, tout est vivant et tout est sacré. Ah, waouh. Eh ben, merci à vous, en tout cas, de pouvoir nous permettre d'accéder à tout ça, à travers ce livre, cet oracle, même la formation, cette transmission, cette connaissance et l'importance que nous prenions conscience, finalement, de ces esprits de la nature, comme je disais tout à l'heure, de cette connexion à tout ce qui nous entoure, à la nature et à la terre entière. Alexandre Georges qui dit « La lavande, c'est raccord avec le t-shirt de Stéphane, non ?» Ok, ok. C'est un détail, c'est vrai. C'est important, c'est important. Oui. Bon, alors les amis, je pense qu'on va passer à la méditation, oui, avec Loan et Fabrice. Surtout pour la voix, mais Fabrice est là aussi, évidemment. Oui. Le duo, Loan-Fabrice, il y a cette énergie. On va laisser Loan nous donner peut-être quelques instructions, voilà, avant de lancer la musique. Installez-vous confortablement. Coussin, plaid, tout ce dont vous avez besoin pour être bien. Cocooning, en fait. Ouais. Ok. Plus nous sommes confort, plus nous pouvons relâcher, parce qu'il n'y a plus de tension dans notre corps, et donc nous laisser complètement porter par ce qui vient. Merci. Allez, bon voyage les amis. Confortablement installé, fermons les yeux. Et portons tranquillement notre attention sur notre respiration. Inspirons et expirons. Et à chaque expiration, relâchons un peu plus, relâchons nos tensions, laissons aller nos pensées, et plus nous respirons, plus le calme s'installe en nous. Nous devenons très très calmes. Calme à l'image d'une page blanche sur laquelle peuvent s'inscrire différentes informations, paysages, couleurs, sensations. Un espace de réceptivité totale. Tout en douceur, faisons descendre notre attention dans notre cœur, au centre de notre poitrine. Cet endroit est agréable, il nous accueille. Telle une fleur baignée de soleil, s'ouvrant pétale après pétale. Notre cœur magnifique rayonne. Nous sommes bien à cet endroit, bien installés. Tout est agréable et paisible. Et là, à partir de notre cœur, se dessine devant nous un chemin. Un chemin se modulant progressivement, prenant une forme, des couleurs, des détails, donnant des sensations ou des impressions, un chemin. Prenons ce chemin avec joie, avançons. Nous sommes en promenade. Tout est agréable. Ce chemin se dessine et nous mène. Nous passons un pont. Puis continuons. Puis nous arrivons à une clairière. Cette clairière qui représente un hall d'entrée dans une magnifique forêt. Peut-être est-ce une forêt que vous aimez, que vous connaissez déjà, ou bien une forêt qui se manifeste là, maintenant, pour vous. Cette forêt s'ouvre. Elle nous invite à entrer, mais avant de pouvoir le faire, nous allons prendre un temps pour revenir dans notre cœur. Et dans cette sincérité du cœur, contacter ce que l'on pourrait appeler une porte d'entrée ou une muraille, en tout cas une limite de l'espace sacré de la forêt. Elle peut se présenter de différentes façons pour chacun d'entre nous. Une fois au contact de cette porte, nous allons intérieurement exprimer nos intentions. Qu'est-ce qui nous motive à rencontrer des esprits de la nature? Pourquoi entrer dans les espaces sacrés de la forêt? Exprimons intérieurement tout ce qui vient spontanément. Et puis, demandons l'autorisation d'entrer. D'entrer dans l'espace sacré de la forêt, dans sa globalité. Et là, attendons la réponse. Celle-ci peut se manifester de différentes façons. Par un ressenti, une image, un grand oui. Peut-être la porte qui s'ouvre, la muraille qui s'étire pour nous laisser passer. Tout est possible. Attendons ce oui. Et si ce oui met un petit peu de temps à venir, eh bien dans ce cas, reformulons nos intentions. Peut-être qu'une modification est nécessaire pour pouvoir accéder à ce oui. Ne brusquons rien. Prenons le temps d'avoir cette autorisation essentielle. Et puis, lorsque nous l'avons, entrons. Entrons dans l'espace sacré de la forêt. Continuons ce chemin se dessinant à travers ce royaume d'émeraude et de couleurs chatoyantes. Et là, quelque part, sur notre chemin, nous allons être interpellés par le gardien. Il se dresse devant nous. Saluons-le chaleureusement. « Bonjour gardien, est-ce que tu vas bien ? » Nous pouvons intérieurement entamer la conversation avec lui, comme avec un bon ami. Et puis, comme nous sommes polis et bienveillants, eh bien nous pouvons proposer au gardien une offrande. Ouvrons notre petit sac d'offrande. Montrons-lui ce que nous avons à l'intérieur. Ainsi, il pourra choisir ce qui lui convient. Plaçons cette offrande à son endroit et laissons-le se nourrir de toutes ces belles énergies que nous lui avons apportées. Plus il s'en nourrit, plus il rayonne, plus le gardien irradie. Parfois, certains gardiens ont aussi besoin de réconfort. Nous pouvons les prendre dans nos bras, déposer une goutte d'élixir floral, peut-être même du rescue. Voyons ce qui vient spontanément. Et tout en laissant le gardien se nourrir de l'offrande, nous allons encore une fois demander l'autorisation d'entrer. Le gardien nous scanne. Il lit en nous comme dans un livre ouvert. Il va pouvoir transmettre nos intentions, notre état vibratoire à l'ensemble des esprits de la nature, de la forêt. Ainsi, les uns et les autres pourront choisir de venir à notre rencontre. La réponse est positive, nous sommes autorisés. L'information a été transmise à l'ensemble des esprits de la nature. Le gardien a puisé tout le nécessaire dans l'offrande. Nous allons pouvoir soit la laisser, si le lieu le permet, soit la reprendre pour pouvoir l'utiliser plus tard, peut-être, après l'avoir réénergisée. Continuons notre chemin. Merci gardien, merci. Avançons. Avançons, promenons-nous dans cette extraordinaire forêt qui nous accueille avec amour, avec bienveillance. C'est alors qu'une sensation de joie se fait sentir. Notre chakra du plexus solaire, du ventre, se met à vibrer. Et nous avons envie de rire. Tiens, tiens, quelles sont ces présences autour de nous? Bien entendu, ce sont des lutins. Des lutins qui viennent à notre rencontre, ils sont souvent présents au départ des promenades et aiment continuer avec nous. Ils nous accompagnent maintenant. Nous sommes entourés de lutins. Le paysage est magnifique. Au fur et à mesure de notre promenade, nous sommes réceptifs aux odeurs, aux formes, aux couleurs, à toute la magnificence de la création. Tout est émerveillement. Et puis là, quelque part, dans cette extraordinaire forêt, nous sentons attirés. Suivons notre intuition. Allons vers ce qui nous attire. Mais attention, peut-être qu'à un certain endroit, nous serons arrêtés. Et oui. À chaque fois que nous devons entrer dans un royaume, il faut recommencer et demander l'autorisation d'entrer. Là, demandons intérieurement l'autorisation de demander d'entrer dans ce royaume. Nous ne savons pas encore de quel royaume il s'agit. Ce sera une surprise. La porte s'ouvre. Nous sommes accueillis. Nous pouvons entrer. Installons-nous quelque part dans cet espace de nature. Peut-être qu'un rocher nous attend ou une herbe fraîche, agréable. Un tapis de mousse. Installons-nous. Une fois dans ce royaume, nous pouvons ressentir la vibration particulière de cette dimension parallèle. Nous avons déjà basculé dans un autre espace-temps. Comme ça, d'un seul coup. Et puis passons à la rencontre et demandons à un représentant de ce royaume de bien vouloir se manifester devant nous. Là, ouvrons tous nos capteurs. ressentons, observons, percevons, écoutons. Essayons de communiquer avec cette présence face à nous. Peut-être que celle-ci nous montre un signe distinctif. Est-ce qu'il s'agit d'une fée, d'un elfe, d'une licorne, d'un dragon ou encore d'un autre esprit de la nature? Le royaume ne nous a pas attirés par le fruit du hasard. Nous avons été conviés. Nous avons quelque chose à partager avec ces êtres. Peut-être avons-nous des affinités en commun. Ou peut-être que ces êtres ont un message à nous transmettre. Il y a tant à partager ensemble. Un lien se tisse entre nous. Ce lien est précieux. Il nous permettra de reconnecter par la suite à ce royaume et à ses êtres. Ouvrons les mains. Ces êtres ont aussi un cadeau à nous transmettre, un cadeau que l'on peut prendre avec nos mains, même si celui-ci est subtil. Et ce cadeau fera aussi office de lien entre nous. Grâce à lui, nous pourrons nous connecter à eux avec plus de facilité. Mettons ce cadeau dans un endroit sûr, gardons-le précieusement. Pourquoi pas à l'intérieur de notre cœur ou ailleurs. Et puis remercions. Pour cela, revenons à notre cœur, au centre de notre poitrine. Et à partir de celui-ci, faisons grandir une vague, une immense vague de gratitude. Et laissons-la se déployer face à nous jusqu'à toucher tous ces êtres de ce royaume. Merci. Nous allons nous diriger vers la sortie du royaume. Tranquillement, pour revenir dans l'espace sacré global de la forêt. Là, d'autres rencontres peuvent se produire. Une promenade peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours et bien plus encore. Mais pour ce qui est de ce soir, nous allons tranquillement reprendre le chemin du retour. Remercier les lutins qui nous ont accompagnés. Repasser devant le gardien. Merci gardien. Et à très bientôt. Et puis, prendre la porte. La porte qui nous amène du plan subtil au plan de la matière. Nous allons regagner ce plan bien concret, tout en douceur, tout en douceur, avec la clairière, ce magnifique hall de la forêt, puis ce chemin qui continue encore et encore. Nous allons passer le pont, et puis progressivement, nous regagnons notre cœur, le centre de notre poitrine. Nous retrouvons l'intériorité de notre corps, bien physique, que nous habitons totalement, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. Reprenons contact avec le sol. Ce sol qui nous lie à la planète Terre, qui nous porte. Ressentons tout l'amour de Gaïa, l'esprit de la planète Terre. Elle nous infuse à partir de la plante de nos pieds. Cette énergie d'amour remonte progressivement de nos pieds à nos jambes, notre bassin, notre ventre, notre dos, épaules, bras, cou, tête, tel un vase où nous remplissons du nectar d'amour de Gaïa. Nous sommes tellement remplis de cet amour que le vase déborde. Cet amour se propage maintenant partout autour de nous. Non seulement dans la pièce où nous sommes, dans notre environnement, mais aussi à nos proches, à toutes les personnes qui partagent notre vie et que nous aimons. Gaïa est amour, nous sommes amour, tout est amour. Et observons combien il est bon de s'incarner dans la matière, dans cet amour. Nous sommes bien, quoi qu'il arrive et où que nous soyons. Inspirons, expirons. La respiration se fait plus profonde, plus intense. Prenons maintenant une profonde inspiration. Et à l'expiration, étirons-nous et ouvrons tout doucement les yeux. Revenons à nous. Merci, merci. Merci du cœur à Loan et toutes les énergies qui nous ont accompagnés pour cette puissante méditation, ce voyage. Ouais. Dites-nous un petit peu dans les commentaires que vous avez ressenti, votre retour d'expérience. Waouh. Ouais. Ah, merci, merci. Je vois écrit gratitude et amour infini. Merci. Ah, on était bien. On était enveloppés. En tout cas, moi, c'était mon ressenti. J'ai vu plein de choses. C'était dans tous les sens. Ah, mais non, moi, c'était... Je vous laisse les gens partager, mais ouais. Moi, j'ai vu plein d'esprits, de la nature. Au début, il y avait un Pégase, carrément. Ouais. Merlin aussi, après. Mm. D'ailleurs, ouais, si je peux partager le message de Merlin, c'est véritablement pour mieux se connecter, finalement, à l'extérieur, mieux se connecter à la nature. Évidemment, c'est être dans son cœur. Et principalement, c'est se donner de l'amour à soi-même. C'est s'aimer soi-même. En tout cas, c'était ça le message que j'ai compris, que j'ai reçu. S'aimer soi-même. Je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai qu'on veut toujours peut-être, des fois, se dire, voilà, on va chercher à l'extérieur, aider les autres. Mais ça commence toujours par soi. Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes? C'est important d'être en amour et en intimité avec soi-même et en gratitude. C'est... bon. Et même si ce n'est pas toujours évident pour différentes raisons, parce qu'il y a des vécus qui sont plus ou moins difficiles, je trouve qu'en effet, le fait de retrouver cette connexion avec Gaïa, avec cet amour immense, et percevoir que nous sommes juste une petite extension verticale à la surface de Gaïa, nous sommes totalement partis en fait de cet amour. Si nous aimons la Terre, nous ne pouvons que nous aimer nous-mêmes. Cela facilite beaucoup les choses. C'est vrai. Nous avons tous des parcours différents. Tout ça en train d'évoluer et d'apprendre. Et oui, plus on prend conscience de tout ce qui nous entoure, plus on prend conscience de nous-mêmes, plus on prend conscience de nous-mêmes, de ce que nous sommes véritablement, et plus nous prenons conscience de l'extérieur, de ce qui nous entoure. Et puis, on prend conscience que tout ce qu'on voit, c'est aussi nous-mêmes. Ouais. Alors Aurélie qui nous dit « J'ai reçu le message de bienvenue et de gratitude d'être venu et j'ai eu des larmes d'amour. » Oh, c'est beau. Nicolas Cornet qui nous dit « Retour dans ma forêt intérieure qui a complètement changé, c'est merveilleux. » Merci. C'est magnifique d'avoir tous ces témoignages, c'est un cadeau. Merci à tous. Bah, merci à vous, en tout cas, aussi, à Loan, Fabrice, pour tout ce que vous transmettez, encore une fois, au quotidien, avec les mots, ou même sans les mots, simplement par votre présence. Et merci à vous pour votre présence avec nous ce soir sur Gaïa Méditation. C'est vraiment puissant et merci du fond du cœur à vous deux. Merci à Stéphane. Merci à grâce toi, à toi surtout, tout est possible et grâce aussi à tes frères, à toute l'équipe Gaïa Méditation. Merci. Oui. Vous rendez cela possible. Donc c'est voilà, c'est un cadeau pour tous, pour l'humanité, pour la Terre. Enfin merci. Merci, merci, merci. Alors Saint Michael Archange qui nous dit aimer sa propre nature, son divin, c'est ça la nature en soi et la vraie connexion au soi en tout. Ah, Véronique, merci pour cette belle méditation, la gratitude. Et merci à vous tous dans le chat pour votre partage. Merci d'avoir été présent aussi dans cette communion. Encore une fois, c'est pas simplement Loan, Fabrice, Stéphane. C'est tout le monde, vous tous aussi dans le chat. C'est les esprits de la nature, les autres présences qu'on peut nommer autrement. C'est Gaïa. C'est tout ça qui est avec nous, qui nous accompagne chaque jour. Merci à tout ce tout, du coup. Et ouais. Je rappelle quand même, pour ceux qui arrivent à la fin et pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, il y a la formation de Loan. On en a parlé tout à l'heure et il y a le lien dans la description sous la vidéo. Voilà, vous pouvez aller faire un tour sur le site. Il y a ses livres. On les voit derrière Loan et Fabrice. À la rencontre des esprits de la nature, notamment sur le thème de ce soir. Et sinon, il y a l'autre livre pour développer sa médiumnité avec tout un tas de ressources, des outils pratiques. Et l'oracle des esprits de la nature. Enfin voilà, tout ça on en a parlé. Vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo ou sur le site de Loan. Et encore une fois, merci à vous tous dans le chat. Merci à Loan et Fabrice. Je vous laisse le mot de la fin. C'est le printemps. C'est le printemps. C'est donc le moment d'aller rencontrer les esprits de la nature directement dans leur territoire sacré. Ils nous accueilleront avec joie. Là, ils se réveillent. Ils sont en train de préparer toutes les festivités pour ces temps de soleil, ces temps de chaleur, ces temps de croissance. Voilà, donc vous êtes tous évidemment chaleureusement invités à les rencontrer, ils ne demandent que ça. Alors allez-y, osez. Je sais que parfois certains pourront se dire « Oh, j'ai l'air un peu ridicule avec les esprits de la nature, je le dis pas, je montre pas d'ailleurs, quand je suis en promenade, je suis vraiment très discrète parce que je me sens pas très à l'aise. » Ben, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien c'est l'occasion d'oser, d'être un peu moins discret pour le coup, et d'en parler autour de vous, de partager, et puis même en forêt, peut-être faire des exercices avec des gestes un petit peu voyants, mais qui pourront interpeller d'autres personnes qui se promènent, que vous ne connaissez pas encore, et avec lesquelles eh bien, vous pourrez partager et nouer des nouveaux liens. Parce que les esprits de la nature sont avant tout là, voilà, dans cette idée de, je ne sais pas comment dire, de rassembler la grande famille de la Terre, parce qu'il est vraiment temps de rassembler la grande famille de la Terre pour ce changement d'ère, puisque nous passons de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, et on a besoin de tout le monde, de tous ses frères et sœurs, tous ces règnes, visibles, invisibles, nous sommes une grande famille, rassemblons-nous, fêtons ce moment de transition tous ensemble pour co-créer un monde plus harmonieux. De voir ça nous unit, ce qui nous rapproche. C'est important. L'union, les amis. Mais oui. L'union dans le cœur. Merci, merci du fond du cœur. Et puis, ben, du coup, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous-même, vous communiquez avec les esprits de la nature? Est-ce que vous allez vous y mettre? N'hésitez pas à partager vos impressions par rapport à la méditation, tout ce que vous avez pu ressentir avec cette... l'esprit du cactus ou du cristal. Et puis aussi, on parlait de rassemblement. Je fais quand même J'en parle quand même. Le rassemblement du Palais de Versailles, des congrès de Versailles, hein, Gaïa Méditation le 27-28 mai. Voilà, les Lumières de Gaïa, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un événement présentiel. On sera tous là avec les frères et puis toutes les personnes que vous voyez affichées à l'écran. Stéphanie Dordain, Jean-Marie Muller, Jenna Blossoms, Ivan Skibik, Leonardo et Elise de Inspire Potential, Mitia et Thibaut, les sonothérapeutes. Il y aura des instruments sur scène, de la musique live, des instruments qui viennent d'Inde. Donc Mitia et Thibaut joueront de cette musique en direct. Et ça va être un moment puissant. Et voilà, ben, voilà, les frères vous chanteront des mantras aussi en direct. Il y aura de la méditation, de l'hypnose, tout un tas de choses. Ce sera un moment unique et inédit. Merci, merci, merci encore une fois à vous tous. Et puis, ben, je vous dis bonne soirée à tous. Ou si vous regardez en replay, ben, bonne journée. Et merci encore à tous dans le chat. Merci Loan, Fabrice. Et amour, amour, amour. Toujours l'amour à vous tous, amour infini. Merci.